Et bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 27 de Mafia. Et aujourd'hui, on va faire la petite mission qui se trouve dans Little Italy avec le mec qui est juste là. Et je dois dire que cette voiture, même si c'est pas la plus belle qu'on ait gagnée, en termes de conduite, elle est vraiment très très maniable et très rapide. Donc ça risque de nous faciliter la vie. Et ben, on va se lancer tout de suite, hein. Ok, près du square dans Chinatown. Ok, donc il va falloir courir, à mon avis, de cabine téléphonique en cabine téléphonique. Donc ça va être la rapidité et aussi, j'imagine peut-être écouter le bruit des cabines. Et donc un petit peu de chance aussi pour trouver les bonnes cabines directes. Bon, moi, Chinatown, c'est pas très très loin, mais le temps était assez limité. On va se passer là. Square, il est là. Vas-y, j'en entends une là. Quelque part par là. Là. Ok. La sortie du tunnel sur Central Island, d'accord. Au moins celle de Chinatown. Maintenant, on peut y aller rapidement pendant que cette femme traverse ma voiture. Tout est normal. Alors, Central Island, c'est en bas. C'est la deuxième île. On va prendre le tunnel. La meilleure solution. Bah, de toute façon, ils ont dit à la sortie du tunnel sur Central Island, c'est ça, non? Je ne sais plus, je mélange ce que je dis et ce que je lis. On va bien voir. Ah, je l'entends. Je l'ai entendu. À droite, c'est celle-ci. Ok, allez, elle sort vite. J'ai 45 secondes. On est bon. La jetée de Central Island, la jetée, c'est en bas, je dirais. Bon, en bas sur la carte, en tout cas. Ouais, parce que ah, ça pourrait être en haut. Bon. On va y avoir. Ouais, je dirais que c'est en bas. Il y a quand même plus de chance. Vite. 45 secondes. Cabine là. Celle-ci. Si c'est pas celle-ci, c'est perdu. Hein. Pas celle-ci. Ah merde. C'est près de ce resto, j'imagine. Ah, c'est là. Le parc près du pont Terra Nova dans New Ark. Putain, c'est où New Ark déjà? Arc, je crois que c'est en haut de la troisième île de l'île sur la droite, mais je suis plus sûr. Par contre, je perds trop de temps à courir. Ouais, à courir. Vu la lenteur du perso, on dirait plutôt trottiner.
Bon, je sais que la prochaine fois, il faut que je sois plus près. Et je dirais que niveau arc, c'est en haut. Hein. Faire confiance à mon instinct. Donc j'ai une voiture qui va très très vite, qui reste très très maniable, comme vous le voyez. Donc, tout de suite on était à 135 km/h et on a pris quand même des trajectoires un petit peu serrées. Ouais, le arc c'est là. Ils ont dit quoi? Près du parc, c'est ça? Est-ce qu'il est ce parc, putain? En haut, non? Là, il y a des arbres, c'est peut-être ça. On est dans New York. Vous entendez quelque chose? Le parc près du pont Terra Nova. C'est ici, non? Ça, le pont Terra Nova. Visiblement non. Visiblement pas du tout. Ah, quoique. Quoique. Église Dogfood. Ouais. Alors, Dogfood, c'est en bas. Et l'église, je crois qu'elle est sur le rond-point, un truc comme ça. Non mais vas-y, perds du temps comme ça, putain, espèce de débile. Toi au volant. C'était pas la meilleure trajectoire, mais bon, on va essayer. Bon, déjà on est sûr que c'était pas celle-ci. C'est parce que Oakwood, c'est le quartier là où on a notre baraque. Tourne. Poussez-vous. Ça va être juste, hein. Ça va être tendu. Non, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Après à gauche. Ici. Si je dis pas de bêtises, c'est en face de moi. Ouais, c'est ça, il y a une église qui est là. Ouais, je t'entends. Je finissais juste ma cascade.
et j'arrive. Quoi? Bon, ben, d'accord. mini cabine et on a gagné du premier coup. Alors ça, c'était pas prévu. Loin de là. C'était pas prévu du tout que je réussisse cette mission du premier coup. Hein. Je suis le premier surpris. Bon, bah, je... On va déjà aller chercher la voiture. Et les cours de tennis. Ils sont où les cours de tennis? À Oakwood. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à des cours de tennis? Ça, ça m'a l'air d'être des habitations. Ça, ça a l'air d'être... À droite, ça a l'air d'être une grande villa, donc c'est pas ça. Alors, soit au-dessus... Ouais, mais non, c'est des maisons. Je vois pas pourquoi il y aurait des cours au milieu des maisons. En bas, peut-être. Au vu de la disposition, j'irai peut-être en bas. Mais je suis pas sûr. J'avoue qu'on n'avait jamais été dans des cours de tennis, donc... Ah, ça y ressemble. Ça doit être ça. Ça doit être ça ma récompense. Luciferion de... Ok. Bah, ça ressemble grosso modo à celle que j'avais. Hein. Ça m'a l'air un peu moins maniable. Bon, vu que l'épisode est court, on va faire un petit truc. On va se permettre d'essayer quelque chose. C'est-à-dire de ranger les voitures. Et en fait, je suis curieux de savoir si ça les répare. Non, parce que finalement, la Hot Rod, même si elle est pas... Même si c'est pas la plus belle, je crois que c'est la meilleure voiture qu'on ait eue hein, pour l'instant. Donc j'aimerais bien la conserver et vu que je l'ai un petit peu abîmé avec mon arrivée quelque peu non académique. Donc je suis curieux de voir ce que ça fait si on les range dedans. Ah, si j'y arrive, ça c'est une autre question. Bien sûr. On était vraiment censé toutes les ranger là. C'est un peu compliqué. Hop. On va faire le test avec plusieurs. J'en profite hein, parce que de toute façon je ferai pas une deuxième mission. Par exemple, celle-ci, là, elle est bien amochée. Si j'amoche un peu plus, ça changera pas grand-chose. Ok. Et maintenant, on va aller chercher la Hot Rod. J'essaye deux choses, hein, on verra bien. Bon, eux ils se sont bloqués hein, mutuellement. Il n'y en a aucun qui va prendre la décision de reculer, laisser passer les autres. Ils vont rester bloqués longtemps. Ah, parce que la Hot Rod elle pourrait être un petit joker sympa en fait. Pour
réussir des missions qui demandent de la vitesse et de la maniabilité. Pourrait permettre de réussir des missions bien plus facilement. Et si je l'avais eu avant, il y en a certaines qui se seraient passées plus rapidement, ça c'est sûr. Allez hop, toi je t'abandonne ici. Quelqu'un finira bien par venir te chercher. Toi, je te ramène à la maison afin de voir si des réparations s'effectuent. On va bien voir. Ça va aussi sur cette mission, ils étaient gentils, c'est que au lieu de te proposer une photo qui peut être très très abstraite sur où aller, ils te donnaient l'indication par écrit. Ça permettait quand même de se retrouver un peu plus facilement. Bien. Alors, si je ferme. Donc toi par exemple, t'es toujours enfoncé sur le côté. Ouais. Donc je vois pas de bouton qui permettrait de réparer ou d'appeler un mécano. Non, je vois rien du tout. Du coup si je fais hop, je me soigne et que je sauvegarde. Et que je reviens. Non, les vitres ne sont pas de retour ici. Et toi tu fumes encore. Et du coup si je fais... Voilà, je quitte. Et je recharge la partie. Et non. J'ai pas l'impression. Non, d'accord. Elle reste brisée. Donc je l'ai un petit peu amochée. Mais bon, ça a l'air d'aller globalement. J'ai perdu un phare. L'avant est un peu embouti. J'ai perdu les vitres. Mais ça devrait continuer à faire l'affaire. Surtout qu'il nous reste plus beaucoup de missions. Réaliser. Est-ce que je peux aller chez les voisins? Ah, apparemment je peux pas. Tant pis. Bon, ben c'était un très court épisode, mais bon voilà, ça arrive. Hein. Vous avez eu des très longs, vous avez eu des très courts aussi. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine pour la suite et une prochaine mission que j'espère réussir aussi bien, mais j'en doute quand même. Hein. Je reste toujours surpris par la facilité avec laquelle j'ai réussi celle-ci. Sur ce, à la prochaine.